Oui, moi j'ai pas entendu. Yes. Monsieur vieux, on s'agit de. Pareil, qu'en fait il l'a percuté cet abruti. C'est pas de. Ça fait comme le shérif. Hop, oui, je suis là. Yo. Merci. Ouais, attends deux secondes, je suis dans ma tête. Ouais, pas de soucis. Attends, j'arrive dans deux secondes. Pas de problème. Salut Rémi! Ça va? Ouais, et toi? Bah ouais, nickel, hein. Qu'est-ce que tu veux de nous? Quoi. Bah, moi je revenais du motel. Ah ouais. Et toi, tu vas où comme ça? Bah, je vais à un distributeur, mais je viens de m'en souvenir qu'il y en a juste à côté. Il y en a juste devant. Je viens de m'en souvenir, c'est pour ça que j'ai ralenti et je t'ai vu. Et du coup, qu'est-ce que t'as payé? Bah, c'est juste prendre un peu d'argent, tu sais, pour aller acheter à manger et tout ça, à boire comme ça. Oh, au cas où. Tiens, je vais regarder dans mon portefeuille, ouais. Oh, bah tiens, je vais te suivre. Bah ouais, comme ça, moi. C'est qui attend là-bas? Là je sais pas. Aucune idée. Hop, à toi. Merci. Ça s'appelle Rémi Dubois. Bonjour, c'est moi. Ah, t'es là, ça ouais. Va? Bah ouais, toi? Ouais, un peu... voilà quoi. Hein. Un peu fatigué d'hier. Ouais, voilà, en plus, ouais, en plus. Et toi, ça va? Ça va, ça va. T'as, je t'avais pas reconnu, t'as mis un nouveau bonjour. Costume, non? Ou hier, je sais plus, t'avais pas le même? Si, j'avais le même. Ah bah, je sais. J'avais. J'ai pas fait gaffe. Si, j'avais ouais, le tout même. Ce qu'il y a eu hier aussi... Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bah du coup, comme je t'ai dit, hein, je compte créer une entreprise de journaliste. Ouais, du bah coup, ouais. Je voulais commencer tout de suite, en fait. Ok. Histoire de montrer un petit peu à la ville ce que chaque citoyen voit pas. Ouais. Et du coup, je voulais savoir si c'était possible que je te pose 2-3 questions par rapport à ce qui s'est passé hier. Bah oui, hein. Je pense que c'est possible. Mais t'es un peu au courant sur ce qui s'est passé hier ou bah, pas du tout? Tout, mais je pourrais pas dire qu'est-ce qu'il y a eu pendant l'interrogatoire ou je peux pas dire le nom du mec en question. Ouais, non, ça, mais après, je j'étais présent du mec, début, bon. Du début à la fin, j'ai été présent. C'est bon, je connais le nom du mec, il s'appelle Matt Browny ou je sais plus quoi. Ouais, attends, celui-là qui a été kidnappé. Ça, j'ai noté sur mes notes. Oui, lui encore, lui, on le connaît tous en ville, on va dire. En mécano, il n'y en a pas 10 000. Matt Broman, voilà, Matt Broman. Ouais, c'est ça. Voilà, après, c'est oui, Browman, je sais pas comment ça se prononce. Bah attends, on va aller dans un bureau, pire, viens. Ouais, vas-y, je te suis. Bon alors, moi je vais prendre celui-là. Vas-y. Bah je reste debout, hein. Ouais, bah de toute façon, moi-même ma chaise, je vais la laisser comme ça. Ok, bah est-ce que... on commence tout de suite? Bah ouais, moi de toute façon, plus vite c'est fait, comme ça plus vite après, je peux aller pas yes. Trop lire. Yes, alors... Et puis tu peux mettre ton article comme ça. Ouais, bah ouais. Du coup, la personne... est-ce que t'as été là directement dès le début pour le braquage? Bah j'ai été là direct pour l'alerte du braquage, oui. D'accord. J'étais... Est-ce que tu sais à quel endroit ça s'est passé à peu près le braquage? Le nom de la rue, enfin... Je sais que c'est une supérette pas très loin du commissariat. Après, le commissariat pas... central? Ouais, leur nouveau, là. Ouais. Je sais que c'était pas très loin. Ouais. Après, j'y ai pas été parce que j'en ai pas arrivé à temps, nous.
Parce que du coup, en gros, bon, j'étais avec le junior, Ouais, on a ok. reçu l'alerte. Du coup, bah, Ouais. on s'est vite changé, on a rejoint l'endroit du braquage. Mais entre-temps, on a eu d'autres appels qui disaient que des braqueurs étaient là. En fait, quelqu'un avait vu les braqueurs dans la voiture. Du coup, Attends, de nous. quoi, de quoi? Attends, répète, répète, Alors, répète. Là, en je prends des gros, notes. ouais. Voilà. En gros, bah, on avait reçu l'alerte du braquage. Du coup, on commençait à y Ouais. aller. Et entre-temps, on a eu des appels téléphone d'un citoyen, on sait pas qui, hein, ça, on sait pas. Qui nous a envoyé un message, je sais plus c'est écrit quoi, je crois que c'était écrit les braqueurs de la supérette sont juste devant moi, un truc du genre. Et du coup, nous on a été à cet appel-là, on y a été, on est tombé nez à nez avec le véhicule des suspects en fait. Et du coup, nous on n'a pas été jusqu'à la supérette parce que c'était déjà fini en fait. Le temps qu'on arrive d'ici jusqu'au sud, ça prend du temps. D'accord. Du coup, c'est pour ça que je pourrais pas te dire la rue, je sais juste que c'est une supérette pas très loin de la banque, pas très loin du commissariat. Voilà. D'accord. Du coup, après les comment dire, les coups de... comment ça se fait qu'il y a l'une des, enfin, la personne que vous avez capturée, vous l'avez capturée avant, après le braquage, du coup, c'est ça? Oui. Alors moi je pourrais pas D'accord. dire comment ça s'est passé. Et Parce vous étiez sûr que que... c'était une personne liée au braquage? Oui, ça c'était sûr, ça. Ça c'était D'accord. sûr à 100%. Parce qu'on les a quand même... On les a aperçus, on va dire, moi je les ai poursuivis avec le junior en voiture et un agent de la SPD. Et D'accord. en gros, on a réussi à les bloquer. Bon, ils se sont enfuis à pied, on peut pas faire toute la course-poursuite, mais en gros, on les a quand même vus avant de les arrêter, on va dire quand même. Après, moi je me souviens pas de tout, parce que le problème c'est que je suis allé à l'hôpital entre temps. En fait, bah, je suis retourné au véhicule du suspect et j'entendais des tirs un peu partout au loin, du coup, je suis allé rejoindre le junior. Et après là, je me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Juste des bruits de D'accord. tir et après je me suis réveillé à l'hôpital avec le shérif. Et du coup, le convoi, parce qu'après le convoi, tu m'as dit qu'il s'était fait attaquer. C'est ça, ouais. Il s'est fait attaquer entre le chemin, entre l'hôpital et le commissariat, ou c'était avant? Non, directement au commissariat quand on est arrivé. Ah, c'est au commissariat, Ouais. d'accord. Donc c'est pas pendant le convoi, c'est quand vous êtes arrivé Ouais, quand on au est arrivé commissariat. directement. Là, pourquoi on a fait un barrage hier? D'accord, très bien. Ok, donc après, bon, la personne, elle a été du coup Voilà, interrogée. on a eu un suspect sur les trois. D'accord. Ah oui, donc vous avez, d'accord, donc il y avait trois personnes. Et du coup, les deux autres personnes, ils en ont profité pour Enfin, kidnapper ils étaient quelqu'un. quatre, non, je veux dire, ils sont quatre et on a eu un, du coup, ça fait trois. D'accord. Oula. Oula, il y a eu un message sur. Ouais, Il y a eu bon. un message chelou là sur mon téléphone. Je sais pas si. Pareil, je pourrais pas te dire. Ouais, que fait la police? Bref, ok, d'accord. Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, après ça, bah, on a eu le message comme quoi il y a une personne, comment il s'appelle déjà, Matt Ouais, voilà, après ça a été Broman, diffusé sur qui s'est fait les... kidnapper. C'est ça. Rémi, il y a un Ouais. appel sur une supérette. Ah, Ah. ok. Bon, on continuera plus tard Ouais, si tu veux. vas-y, t'inquiète, hein, d'abord ça. Hein. Je sors quand même, je Ouais, veux ouais. pas rester ici. Ouais. On a pas vu. Mais je vois ça, hein. Ouais, Déjà éviter. là, Ouais, ils ont envoyé un message sur tous les téléphones. Là, je sais pas si vous avez vu que c'est c'est la pour ça police. justement, on y va. Ok, bah Ouais, dépêchez-vous, ouais. monsieur. Feu, normalement, t'as le point sur GPS. T'as pris un gilet pare-balles, Rémi? Ouais, j'ai eu le temps de le prendre. Faudra que tu prennes 5 minutes aussi pour leur donner une nouvelle tenue. Bah ouais. Bah, je sais pas, j'ai pris la tenue de base là. Ouais, mais on va dire intervention sauvetage aussi maintenant. Y'a quoi? Oui, on a un gilet de sauvetage. Ah bien. Bon ça c'est si on a des bateaux mais ouais. C'est pas Oui, mal. il faudra quoi, mais C'est où là? C'est quelle supérette? C'est la même qu'hier? je sais pas, tu sais, tu tournes à droite après le pont, hein. C'est quasiment en vie, quoi. Ah ouais.
Je sais pas, t'as la distance là, je crois, d'afficher normalement. 5 km. Ouais, je t'ai dit à droite. Enfin, plutôt à gauche, si à droite, ça fait plouf. Hein. Ouais, bah ouais. C'est pour ça. Après, deuxième pont. Hein. Ok. Par contre, j'ai pas de fusil d'assaut, hein, juste mon pistolet. Hein. D'ailleurs, moi j'ai fusil à pompe. Mais okay. Je te rappelle qu'on a pas le droit normalement. Bon, la petite SMG, là, y a plus la petite SMG, c'est un choix, on avait le droit. Ah, peut-être que la SMG, vu qu'il a dit qu'on a pas le droit au 5,56. Ouais, voilà, tu sais, la toute petite mitraillette. Ouais, là. En fait. La MP5 ou le. Je sais plus comment on appelle ça. Ou le pompe, ça, le pompe, on a le droit. Ouais, bah, le pompe, c'est du calibre 12. Hein, donc ouais, je pense bah, après, c'est pas top pour la distance, mais. Mais au moins, au corps à corps, hein, s'il faut. Ouais. Y a un APL, c'est pas un APL de vol de supérette. Hein. Ok. C'est un APL, on sait pas, je sais pas pourquoi. Je reprends le. Vas-y, vas-y. Au PDP. Y'a toujours pas de truc. Au poste de police. Là j'ai plus de points par contre. Ouais. T'as pas un nouveau point? Là j'ai rien du tout là. Du coup, l'appel, je suis sûr que c'est les mêmes. Y'a un problème, je sais pas ce qu'ils veulent. Ils font des. Ok. Et. Fait. Comme ton cousin disait. Quoi? Pourquoi? On a fait un tête à queue? Bah, je sais pas, c'était chelou. Que pour moi, t'as doublé la 9F Cabrio et après, on s'est retrouvé ouais, dans l'autre sens. Ouais, je sais pas, c'était bizarre, c'est comme s'il y avait un truc dans le sol. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Faut qu'il refasse la route, hein. Ouais, c'est ça, hein. Mais on est que deux. C'est chaud pour ça. Il faut un braquage à deux. Mais je sais pas si c'est. En fait, là, c'est pas un braquage, mais c'est les mêmes que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était pas un braquage à la supérette. Et c'est quoi tout à l'heure en fait? Tu m'as dit? Je sais pas. C'est les mecs, ils envoient des messages. Ah ouais. Ils mais... donnent rien. Donc j'ai un peu peur que ça soit les autres. Donc je pense qu'on va descendre en arme rapide tout de suite. Ouais, bah ouais. J'ai pas trop envie que toi ou moi on se fasse taper. C'est ça. Et on va pas s'amuser à faire. Course-poursuite. Chat à la souris toute la soirée, hein. Non, on va éviter. Oups là. Bon, je vais en code 2 en ce cas. Ouais, ça casse la tête. Plus à SPD, je sais pas où ils sont. Personne. Bah, je sais pas. Mais c'est assez pour SPD. Bah, t'as ta réponse. Voilà. On est deux. Ça va, du coup, je suis agent, j'ai... enfin, je suis major, mais je peux t'armer, parce que sinon, ouais, bah. On aurait été dans la merde. Bon, hier, moi, j'ai pris une G36, hein. Je vous cherchais la MP5, j'ai pas eu le temps, j'ai pris la première arme que j'ai vue. Hein. Ouais, c'est défense personnelle, la MP5. Ah, ok, parce que j'ai voulu le prendre et ça m'a dit, il a pas voulu. Fais réessayer plus tard. Je fais ok. Ah, oh, pompe, ouais, il y a dans le coffre, j'ai mis dans le coffre en sortant. Ok. Ok. C'est juste après à gauche. Ouais. Faut chier d'avoir changé de presque commissariat. J'ai jamais eu Wigan maintenant. Et du coup, là, y'a quoi ici? Un appel. On sait pas pourquoi. Oh. On a l'air d'y avoir une bagnole là-bas. Y'a un mec, tu tournes. 2 mètres, tu tournes. En moto. Vas-y, je te laisse y aller. Ouais. Messieurs, bonjour. Eh bien, le bonjour. Ouais. Ah, c'est le VCSO qui répond. Bah, en fait, on est tous y'a que nous pour le moment, donc oui. Ah, bah. Dire, on serait venu. Oui, ouais, mais on n'a ouais, ouais. Pas votre appel, on n'a pas votre numéro de téléphone en fait quand vous faites un appel. Ah, c'est anonyme, ok, merde. Et donc, du coup, on se déplace. Dites-nous tout. Alors, on voulait se renseigner pour passer le PPA. Ah, bah, faudra attendre un petit peu. Ah. Faudra attendre un petit peu. Un petit peu, genre comment? Bah, pour le moment, j'ai aucune information à vous donner là-dessus. Ouais, j'en ai pas, donc. Rien n'a été mis en place, je crois qu'il n'y a pas d'agent formé pour le moment pour ça. Vous êtes PPA, vous? Oui, oui, nous, là, bien sûr. Il n'y a pas d'agent formé pour le faire passer, je veux dire. Bonjour, monsieur. Donc, pour le moment. Ah, c'est pour le PPA? Ouais, c'est ça. Ah, ouais, bah, ça, faut avoir avec le commandant ou le shérif. Ouais, le commandant ou le shérif, il faudra des hauts gradés qui pourront vous dire. Je sais, eux qui sont organisationnels purs, hein, donc eux pourront vous dire. Ouais, je pense que ça devrait pas tarder longtemps. Parce que je sais qu'on a commencé à recevoir des badges, on va dire, pour les données citoyens par la suite, mais pour l'instant, nous, on n'a pas les formulaires. Il m'avait semblé voir un petit message voilà. Sur le site de la ville. Mais nous, il faut qu'on se fasse former ou que le shérif vous le fasse passer ou le capitaine d'ici. Oui, bah, il faudra qu'on ait du personnel formé pour pouvoir vous faire mais je pense que ça devrait pas tarder, je pense, hein, clairement. Eh ben, Inch'Allah, hein, parce que honnêtement, il y en a marre
De se faire agresser et de se c'est défendre dangereux plutôt. cette ville. Ah ouais, vous faites agresser par quoi? Enfin, moi personnellement non, mais. On travaille au taxi, donc je pense qu'il y a des gens qui s'amusent à nous suivre. Moi ça m'est arrivé là, c'était hier soir, non? Ouais, c'était hier soir. Ouais, c'est ça, ah hier oui. soir. Hein. Il y a un mec qui m'a suivi, donc au bout d'un moment j'en ai marre, je descends et il me demandait des infos et moi je voulais pas lui donner parce qu'il était masqué et tout, il est chelou. Il y avait quelqu'un de masque? Vous savez, le truc qu'il y a dans les champs là, comment ça s'appelle ces conneries? Épouvantail? Ouais, les épouvantails. Un peu ces trucs-là, mais il était gris. Et je crois qu'il avait un nez un peu, ouais, je sais pas, chelou, long, là. Tu C'est un m'avais masque de parlé merde. né en carotte là ou je sais pas Ouais, je sais quoi. pas si c'était pas un peu Ouais, de carotte, bizarre. ouais, je sais pas Okay. ça. Après, n'hésitez pas, hein, faites un appel à Vous faites un l'SPD, appel, enfin, force de l'ordre. Et... Police, ouais. Que ce soit Ouais, mais nous ou non, mais ça eux. va, il est reparti parce que je pense qu'il était pas un peu Ouais, con. mais on sait jamais des fois, vous savez. Mais ouais, et après, je lui avais dit l'info, enfin, j'avais croisé la SPD que je leur avais dit. Ok, bon, bah, ils ont dû une loterie alors. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Et ouais, c'est Bon. pour ça que ça nous motive. Exactement. La supérette qui se trouve à Perro. Je sais pas, une rue, tu peux me donner une location proche d'un magasin ou quoi? Ah, par contre, on a que les sens. Proche d'un magasin, c'est celle qui est au niveau où c'est qu'il y a comment On a plus les un magasin sens. de vêtements. Plus bas, il y a une station, il y a une supérette en hauteur de la map. Est-ce qu'il y a une station Donc, service quand on pour nous là? arrive du BCS ou par l'autoroute, il y a les deux supérettes. Vous descendez toujours, là il y aura une station service. Voilà, voilà, je sais pas où c'est. C'est celle qui donne un peu sur la montagne, ouais, voilà. côté gauche. Ok, discat, de toute façon, on doit faire une pause essence par contre. Soyez prudent, on doit faire une pause essence, on descendra jamais sinon. T'as un bidon Vous faites un appel dès que vous êtes arrivé. Un arrêt à l'essence parce que s'il y a une course de suite, je peux pas suivre. Nous on peut pas arriver sur place. Non, bah ça sert à rien, je peux plus rouler. T'as un bidon ou pas? Non, j'ai pas de bidon. Est-ce qu'ils en ont mis dans le coffre? Putain. Je sais pas. Oh putain, nègre, je crois qu'il Au pire, y a on va en prendre un. Attends, le 4x4 s'arrête devant là. Non, y'a pas. Vous J'avais avez peur. pas de Mais soucis, en fait, vous avez un j'arrivais bidon? peur. Un bidon? Ouais, dans mon coffre, je crois. Ouais. Bon, on lui remboursera plus tard. Ouais, voilà. Ah, parce que là, on a un appel et on n'a plus d'essence. On n'a plus d'essence. C'est la merde avec l'essence. Hein. Ouais, ça tête très très fort. Wesh, on me l'a volé! Ah. Putain! Sinon, prenez ma voiture, hein. Je reste à côté de la vôtre. Si de toute façon, on peut pas rouler au pire. Ouais, de toute façon, un autre, on peut pas rouler. Au pire, je vais la mettre en fourrière. Ouais, voilà, mais là, en fourrière. Je crois qu'il y a encore ouais, assez de d'essence, regarde. Les unités, faites attention, j'ai l'impression que ça va être un traquenard. Hein, à l'arrière. Depuis tout à l'heure, ça envoie des messages, à mon avis, c'est pour nos amados et ça. Discat, nous, on prend un véhicule citoyen, ce qu'on ouais, y en a encore plein, il y en a encore plein, vas-y. Discat, vous voulez qu'on fasse demi-tour pour vous récupérer, au pire Négatif, au meilleur deux véhicules, même si nous, c'est pas un véhicule flic. Et okay. éloignez, bah allez pas direct, vous voyez, éloignez-vous du braquage au cas où. Hein. Parce que c'est un traquenard familial. Je vais arriver par derrière, je pense. Ok, et faites-nous un appel renfort, comme ça on arrive. Du coup, on viendra vous rendre votre véhicule, Percy. Je vais arriver par derrière. Ok. Je peux venir avec vous Bah c'est un peu dangereux, ça, je pense. Non, là, c'est un peu dangereux, surtout. Vaut mieux, ouais. On sait jamais. Ok. De quoi Non, désolé, on a emprunté le véhicule d'un citoyen. Et vous voulez venir avec nous, vous lui dit non. J'ai mis les. les feux de signal. Le défaut. C'est ça, comme ça au moins on dirait que c'est un véhicule flic. Véhicule qui se fait voler juste à côté de la surette qui est. Comme mon avis. Ils ont fait un appel renfort bon, ou quoi? Ça sent le traquenard. Vaut mieux. J'arrive sans gyro, sans rien, parce que je vais pas me faire repérer. Ouais, est-ce que tu sais si on peut prendre une voiture au SPD ou pas? Non. J'ai pas d'informations sur le. Ah bah si, peut-être, mais ça sera un véhicule okay. SPD, mais. Enfin, je sais pas. Ouais, ça c'est pas grave, on s'en fout. Parce que vêtements et armes, on peut alors. À 2 km du point. C'est le point que tu m'as mis, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est le point. Ok. Ouais. Check distance. 5 km. 5 km pour nous et on est pas très rapide. Ouais, jusqu'à toute façon, j'ai une véhicule d'intervention rapide, mais.
Et bien sûr, la SPD n'est pas là, c'est chez eux. Bon, je pense que la voiture de... est une voiture volée, on va rien lui dire, il nous l'a prêté. Ouais, c'est pas qui grave. Qui vient d'en taper une autre. C'est pas grave, je pense que là, vu que... la prison véhicule... Les supérettes, les unes derrière les autres, ils se sont fait taper, hein, non, faire gaffe. Ouais, ouais, 10-4. On est en point d'attente. 3 km. Faites une demande de renfort sur votre point d'attente. Véhicule bleu en fuite du bâtiment. 10-4, faites des appels de renfort réguliers qu'on puisse vous rejoindre. Bah, j'attends que mon collègue le fasse. Ah, bah t'as le temps. Véhicule bleu, 3 personnes à bord en tenue jaune. Putain, c'est encore eux. Ok, 4. Encore une jaune, il faut encore se méfier. Bon, moi je suis à mon arme à feu. Bon, je conduis, mais. T'es à fond. Ouais, là je suis à fond. Là. Pour l'instant, il se dirige en direction de la signalisation Vinwood. Hein. Ah ouais, c'est loin. Ok, 10-4. C'est la route que j'aime pas en plus. On est à 4-4 au pire de quoi, s'il faut. 2 km. Ouais, mais de toute façon, ils essayent de m'emmener quelque part, donc je vais pas trop les suivre. Ok, 17, on est à 2 km de mettre un peu de renfort. Ok, il m'emmène dans un cul-de-sac, je décroche. Ouais, refaites un appel de renfort rapidement histoire qu'on ait point. Merci. Ouais, par contre, c'est un délire quoi. Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? La bagnole, je viens de faire le plein, elle est en panne quoi. Ok, reste prudent, on arrive sur place. Je me barre, je décroche. À pied ou... Non, on décroche en voiture. On va essayer de se mettre à l'abri, mais c'est n'importe quoi. Ok, 10-4, refaites un point. Je n'ai pas dit d'arrêter de suivre. On va reluguer sur le compte assez rapidement. Grave. On va me casser les couilles, ça. Ils savent même pas que c'est le BSSO qui vient ou quoi. Nous, on a 10 000 km à faire, là. Je sais pourquoi. T'es pas descendu, 22. Voilà. Bon, déjà il fait jour, c'est bien. Ouais. Ah, ça va me casser les couilles. Bon, bah, on va tomber en panne là. Je vais vous envoyer un point. Mais... Un point, on arrive sur place, ouais. On est en 4-4, 4 places. Au pire, dis-leur s'ils voient des véhicules dans confisqués. Hein. Que... Putain, il a du mal à monter. Hein. C'est pas nos 4-4. Hein. Non. Là, je suis à 50 là. Machin, il va exploser. Ah ouais, j'ai l'impression que le moteur, quoi comme distance. Bagnole de merde, vas-y, 500 mètres. Les couilles, c'est bon. 500 mètres de position. Au ralenti, mais 500 mètres. Il avait dit que c'est un véhicule bleu, c'est ça? Ouais, véhicule bleu, 3 personnes à bord. Ok. Faut qu'ils mettent leur véhicule en fourrière vide, comme ça, hop. Mm. Ok, tu vois, droite là. Ah ouais, voilà, faut que. Mettez votre véhicule en fourrière. Ouais, mettez en fourrière. Nous on a fait pareil, nous. Monte 22, ouais. Reste pas dehors. Bah tiens, ils sont là. Bonjour, vous voulez que nous arrêtions avec ça? C'est eux, hein, au cas où. Ok, ils ont tiré, bon bah. Ok. J'ai ouvert le feu, j'ai répliqué. Ouais, bon, normal. C'est moi. Formation. Je vais mettre dans le coffre. Que c'est good. On les passe devant. Merci. Il repasse pour faire la route. Désolé pour ce. Il manque quand même un pneu. Hein. Je suis touché. Ah merde, reste à couvert. Je crois que j'en ai pris une dans le gilet, mais j'ai un doute. Fais gaffe, reste pas au milieu de la route. Bah, c'est ce que j'ai. Monte dans le véhicule, non, monte dans le véhicule. Tu sors du véhicule, t'as pas d'arme.
Ok, par contre, on a notre crevé. Ça va, 15? Ouais, ça va, ça va. Descendez, madame, descendez. Bon, bah Rémi, tu conduis. Ouais, bon, direction LSMS. Hein. Ouais, ouais. Et on va passer aussi à l'SPD en même temps. Ouais, mais ça, c'est... Ouais. Non, c'est où qu'il y a les médicaments là qu'on peut acheter, là? Les bandages? À l'hôpital. Ok. Mettez-moi un point LSP hôpital comme ça direct. Je te l'ai mis, je te l'ai mis. Ok. Mais je passe par là parce que. Mais là va falloir qu'il fasse quelque chose parce que ça fait. Bah je vais tirer dessus. C'est bon là, ça commence à me casser les couilles. Moi si c'est ça, je vais prendre arme lourde aussi et on va pas discuter. Surtout que là ils font exprès. Moi je propose. Et nous c'est que maintenant on est sur le secteur et on attend. Bah ouais. De toute façon dans le message il avait dit que maintenant c'était secteur nord, secteur sud, je sais pas quoi non. Ouais, en gros, on devait plus patrouiller sur ce secteur-là. Ouais, bah là, la SPD est pas là. Mais là, non, non. Par contre, vous avez Twitter sur votre téléphone ou pas, vous? Parce que moi, je l'ai pas. Non, 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 il a été retiré. Il y a eu un bug, apparemment. Et comment ils écrivent en je sais pas quoi, là? Slash tweet, tu vois. Ok. Mais bon, ils nous ont retrouvés assez facilement, je trouve. Ouais, bah, ils savaient où est-ce que vous étiez. Et le souci là, c'est qu'il n'y avait plus d'essence déjà. Nous, on a fait aller-retour. On n'avait plus d'essence. Bon, bah, le pauvre citoyen, son véhicule, hein. Tant pis. Je vais demander, je pense, sur notre site à nous, des instructions claires sur ce qu'on doit dérouler suite au tir qu'on prend tous les soirs. Et que la SPD vous se bouge un peu. C'est pas les trucs verts là, les médecins, les bandages là? C'est l'espèce de capsule verte. Ah, c'est ici, ouais. Bah, tiens, on va aller là parce que l'hôpital, ça sert à rien, il n'y a personne. J'ai appelé tout à l'heure. Ah, mais c'est à l'hôpital en particulier, on sera plus en sécurité que dans une pharmacie, si tu vois ce que ouais, je veux dire. Ouais, mais je veux dire, il faut que tu des bandages, non? Ouais, mais c'est au même endroit, il y en a aussi. Ah, il y en a aussi, ok. Et le LSPD, il approche des couturiers. On peut y accéder ou pas? Enfin, il y a des parkings, il y a des choses. Je sais pas, ouais, je crois. Il est ouvert, il est meublé. Oui, il est ouvert, je crois, mais je sais pas s'il y a des choses dedans. Parce qu'au pire, on va à l'SPD, on récupère un véhicule LSPD, et voilà. Ouais. Ouais, déjà, ouais, bah, pousse le banc si gêne. Ouais, bon, ouais, de toute façon. Vas-y, 22, rentre. Putain. Vas-y, rentre avec le junior. Rejoins-le, comme ça, nous on va rester dehors, on est armé. Ouais, ouais, non, non, mais avec 15, je crois que j'ai pris une bague dans le gilet. Ah, bah, possible. Allez-y, ouais. Je reste ici, hein. Vous inquiétez pas. Ouais, reste pas devant. Bah, je rentre dedans, tu vois, mais. Ouais, ouais. Vous avez vu l'alarme de la banque? Je peux te parler deux secondes? Il y a la banque qui se fait braquer. Ouais, mais laisse tomber la banque, on est deux. Ah deux non, plus, non, c'est pas la banque que je voulais. Ah, mais je parlais à Rémi. Ah, d'accord, vas-y, attends. Viens, mon petit. Ça va, 15? Ouais, ça tourne. Ça va, le gros? Ouais, ça tourne. Et ils sont où les bandages? Les bandages, j'en ai. Ok, vas-y. Bah, je peux pas, je peux m'en servir que sur. Non, mais lui sur son. Tu lui donnes. Je peux pas, il faut ouais, j'en ai. Ça va aller, le roi? Ouais. Tu vas manger et à boire? Non, c'est. Je pense que c'est le choc que j'ai pris avec le. Avec le tir. Putain. Ah, putain. Ouais, 22, dis-moi, excuse-moi. Bon. Pas un putain de médecin là. Y'a pas un putain de médecin. Ok. Ouais, désolé, Junior répond plus, j'écarte de la porte. Vas-y. Attends, j'essaie de me relever un petit peu là. Tu veux que j'essaie de t'emmener dans un lit, gros? Ouais, on va l'emmener dans un lit. Ouais, j'arrive pas. Allez, viens.
Ouais, je crois que t'en as pris une dans le bras aussi. T'as pris... Ouais, merci. Ouais, tu m'entends? Ouais, on va être nickel parce que c'était long d'écrire. Ouais, tu peux m'accorder 2 minutes ou pas? Ouais, là je suis à l'hôpital, mais ouais. On attend qu'il se fasse soigner. C'est quoi? Du coup, vas-y, dis-moi tes questions. Ouais, vas-y. Alors, première question, qu'est-ce que tu penses de Shaitan, là, actuellement? Qui commence à prendre un peu plus de place dans l'illégal, on va dire. Enfin, il commence à s'imposer un peu en ville, dans ses trafics, dans ses braquages. Enfin, surtout dans ses braquages, vu qu'on n'a qu'à faire qu'à ça. Ouais. Ok. Tu penses que ça peut être une réelle menace sur la tranquillité de la ville ou pas? Clairement, ouais, vu qu'il s'attaque aux supérettes, il suffit qu'un citoyen soit dans la supérette à ce moment-là, ça peut être oui. Hein. Et vu comment ils conduisent et tirent en pleine ville, oui, c'est dangereux pour les citoyens. D'accord. Bah, là, je pense que c'est encore eux. Hein, parce que j'ai 2 hommes à terre. Ah ouais? Bah, ils sont blessés, ils sont pas morts, mais ils sont blessés. Ok. Ils sont à gauche si tu veux là. Ils doivent être des salauds. Ouais, tu disais merci. Très bien, très bien. Est-ce que tu penses que ça sera compliqué de les arrêter? Non, du tout. On a déjà arrêté un très gros trafiquant, un chef de gang à l'époque, des familles. Ah ouais. Alors lui, ça sera pareil. Il finira comme l'autre en prison à vie, clairement. D'accord. Clairement, clairement. Très bien, très bien. T'as un message si tu alors faire passer par le journal si tu veux. C'est anonyme de toute façon. BCSO pour SPD. Tu veux que je fasse quoi? Je mets genre policier anonyme ou genre. Ouais. Vous pouvez nous rejoindre à l'hôpital. Tu mets policier anonyme. Chez vous. Vas-y, je mettrai policier anonyme. Vas-y. Alors, attends, de... une belle phrase. Hein. Du nord genre, de Santos, on est. On est, vous savez, à l'entrée extérieure, haute. Bah que la loi régnera toujours. Ok, ça marche. Et comment on pourrait dire On arrive dans très peu de temps. La loi régnera toujours et qu'eux finiront derrière les barreaux. De toute façon, on est à l'intérieur de l'hôpital, on n'a plus de véhicule à nous. Tu vois un truc, une phrase dans ce genre-là, toi. J'en trouve une aussi sur Internet. Ouais, bon, tant que ça référent un peu ce que je viens de dire, c'est nickel. C'est bien pris. D'accord. Et en fait, du coup, j'ai une convocation à la LSPD, là. C'est normal ou pas? Aucune idée. S'ils te parlent du vol, tu dis que ça a été payé et voilà. Ils me disent, attends, je te dis ce qu'ils m'ont dit. Bah là, il y en a deux qui viennent d'arriver en radio, j'ai entendu. Alors... C'est marqué... comme par hasard, quel gros con. Bah, je pense que toi, t'as C'est marqué... Ouais, à la fin, il me dit, désolé pour la gêne occasionnée. Au pire, de fait, de quoi Je pense que tu veux être là aussi de toi. Ça met... Monsieur Percy Scott est convoqué à ce jour le 5/2/2020 à 22h30, donc bientôt, à se rendre au commissariat du LSPD dans les plus brefs délais. Pour les raisons suivantes, délit majeur réunion, du 4/2/2020, vol de véhicule. Bah, tu vas et t'explique ce qu'il y a eu, voilà. Et demander, alors après il me met, et demander à se rendre à l'SPD dans les plus brefs délais afin de compléter son dossier qui est actuellement incomplet. Désolé de la gêne occasionnée. Ah, bah vas-y au pire. Mon dossier est incomplet. Moi je sais pas ce qu'ils veulent. Je sais pas ce qu'ils veulent non plus, moi je... Bah tu... Oula. Tout se passe bien dans l'hôpital? Ah merde, j'ai raccroché sans faire exprès. Du coup, bah, je sais pas ce qu'ils veulent. Aller voir et tu dis que t'as vu, t'as payé tout. Enfin, de toute façon, t'as rien à te reprocher. À part le vol, mais c'est déjà payé. Après, peut-être qu'il va ouvrir le casier judiciaire après. Non, peut-être il va peut-être rajouter des trucs dans ton dossier. Parce que j'en ai un casier judiciaire là, du coup, on est d'accord. Bah, c'est une sorte de casier, mais c'est une amende. C'est pas un délit. Pour moi, c'est pas un casier, tu vois, comme trafic. Meurtre ou quoi, tu vois, c'est quasi juste vol de véhicule, c'est pas... Ouais. C'est pas ouf. Enfin, pour moi, je trouve que c'est pas ouf, c'est rien. C'est une amende, tu vois, en gros. Et on est obligé de le rentrer, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Voilà, tu vois avec eux, et au pire, tu vois, tu dis que tu... T'as vu ça avec le BCSO. Après, je sais pas ce qu'ils te veulent. De toute façon, peut-être qu'ils vont te demander des renseignements en plus, du genre, je sais pas, ton âge, je sais pas. Ouais, je me souviens même plus. Des photos de ta tête, parce que je sais, des fois, ils prennent des photos des gens, alors je sais pas. Ouais, pire, tu vois ça avec eux et tu me tiens au courant. Ouais, je te tiens informé. De toute façon, là, j'ai mon rendez-vous dans 30 minutes, donc je suis déjà au Comico, mais je vais peaufiner mon article. Ok. Et puis je l'envoie soon. Pas de soucis. Pas bon courage. Hein.
Yes, allez, bisous. Bisous. Voilà. Ton cousin en danger? Comment? Ton cousin qui est en danger? Non, ça va, il est pas en danger. Non, il est convoqué à Speedy pour compléter son dossier par rapport à son vol de véhicule d'hier. J'ai fait, bah, je sais pas, voir avec eux. Hein. Ouais, de toute façon. Il a payé son amende, tout son dossier, moi, il est complet. Après, il voit avec la Speedy, ouais. Je lui dis. Mais peut-être que chez eux, il a pas compris qu'on m'avait fait. Ouais, peut-être après, oui. Moi, je mais l'ai par fait. Contre, j'espère qu'ils vont faire ça après. Bah, Qu'ils ramènent leur cul ici. Pour la demande de renfort que j'ai faite au Ragman. Clairement. 15, ça va, il s'endort. Tiens, attends. Ouais, il se repose, il se repose. Qu'est-ce que vous vendez de beau, vous? 22, achète un bandage, hein. T'as 50 dollars sur toi? Ouais, moi, je m'en prends deux parce qu'on ouais. Sait jamais. Hein. Vaut mieux en avoir un deux que au... un. Monsieur. Ouais, je vais en prendre un parce que du coup, je me suis ouais, senti bah, bien. C'est pour... jamais... Moi, j'ai rien non, eu, attends, mais. Je vais retirer de l'argent. Non, mais c'est bon, non. Je sais pas si il fait ici. Ah, celui-là, ouais, c'est ouais, c'est je crois qu'il marche, non? Sinon, je te fixe 100 dollars. Ah non, il fonctionne Big, pas, non. C'est pas le je crois que c'est un faux. Bon. Enfin, c'est juste pour ceux qui travaillent ici, peut-être. Viens, mon petit. Non, allez, j'ai encore 15. En fait, bon, bah, j'ai plus. T'es où, 15? Sur le lit. Il est où, en fait, 15? Dans quelle pièce? Viens, suis-moi, mon petit. BCSO pour aller speedy, vous êtes en route? Il est ici. Ouais, je suis sur le lit, sur le lit. Je l'ai mis au plus près. Rémi. Ah, mais moi je vois pas, moi. Je suis ici, sur le lit. Juste en face. Ah, moi je vois pas. Ah, si, il est bien là. Ok. Bon, moi je vois pas. Tu me vois là? Ouais, là je te vois, ouais. Je te vois par terre, mais ouais. Okay. Je pense que c'est parce que t'étais caché sous les draps, c'est ça? C'est ça, je me cache, ouais. Bon, du coup, ça va? Tu te sens ouais, ouais, ça va. Ah, je crois qu'il est retombé au bruit. Ouais. Ouais, il glisse fort les lits. Ça va, mais ouais, ça a touché, va falloir faire quelque chose. Ouais, bah ouais. C'est les pare-balles, il a pris pas mal, mais c'est ma jambe surtout, j'ai super mal là. Ah oui, ouais, je comprends. Ouais. Bah, repose-toi. On a fait un appel. On a fait un appel à les Speedy, mais pas Noël. Ouais. Je trouve qu'ils se sont fait canarder aussi. Ouais, ou ils ont été au braquage de banque, parce qu'il y a un braquage de banque quand on tombe, mais. Ouais, mais bon, ça c'est n'importe quoi. On peut quoi, pas tout hein. Faire, on a plus de véhicule de service, on a deux hommes blessés. Alors, non, putain non, de bagnole là qui prennent pas l'essence. Pris, moi, c'est pas putain de bagnole qui prennent pas l'essence. Faut, c'est vrai faut qu'on envoyer prend, un message au commandant pour lui dire ce qui se passe. Hein. Donc j'ai fait une demande, j'ai annoncé ce qui se passait, on m'a... le shérif m'a répondu en tant qu'on PC équipé en conséquence. Gigué par balle autorisé, n'ayant pas information adaptée à l'utilisation d'armes automatiques, ne vous en servez que si vous ou un citoyen est en danger. Bon, en danger. Ouais. Il y a un collègue qui se fait canarder. Mais, c'est... mais par contre, il faut vraiment dire au commandant que faut qu'il fasse quelque chose pour les speedy, hein, parce je qu'on peut pas patrouiller partout. Nous, on fait 9 km pour aller dans le sud et on arrive, on a plus d'essence. On a plus d'essence, on se fait canarder. On a un homme c'est ça. D'ailleurs, t'as récupéré ton PPA, Rémi? Bah, je pense, oui. Regarde dans tes poches. Ah, ça, je sais pas. Attends, je vais voir. Là dans ton portefeuille tu devrais ouais. Voir ça. Moi bon, je pense parce que je l'avais alors. Enfin à l'époque. Yeah, bah moi je l'ai pas. Tant pis. Enfin faut que je vous le montre. Ça. Ouais montre. Ouais bah après tu peux regarder toi-même. Ah oui je peux le regarder. Attends je le regarde. Ah bah non ça me met que je l'ai pas la licence. Attends pousse-toi. Non ça me met que je l'ai pas. Faut ramener. Je dors rien. 22 carte toi aussi. Bon un café c'est ça. Ouais non marche pas. Non commence pas à aller trop loin. Après tu vas te perdre. Ouais, je comptais pas aller trop loin non plus. C'est bon, Rémi? Je vais te dire ça. Yep, c'est bon, nickel. Expire le 5 mai 2050. Ça va, je crois. Ah, ouais. Je crois que je viens de le révoquer en voulant ah, vérifier bravo. Ton PPA. Je vais vérifier au menu, justement, ouais. Enfin, bah, comment la tablette pire. Marchait. Tiens, allez, viens. On se met là, on touche plus rien. Attends, t'es où? Bouge pas. Ah, ça va être une queue de cheval. Et par contre, j'ai tous c'est les bon. Demandes d'appel qui sont okay. Sur ma tablette. Ouais, non, ça, c'est pareil, ça s'enlève pas. Enfin, je sais pas comment ça. Peut-être une sieste. Faut aller dessus. Ah, ok. Ouais. Ouais, bon, j'irai pour là-dessus, tant pis. Monsieur Bromont se présente à l'accueil. Ah, c'est ça, c'est l'SPD, c'est pas pour nous. Hein. Prenez de merde. Mais déjà, ce serait bien qu'on ait des nouvelles de l'SPD. Ouais. BCSO pour l'SPD.
Des SO ouais, pour LSPD. Taper, Vous êtes en route? LSPD, elle écoute. Non, pas pour l'instant, on a un petit problème. On peut pas prendre notre service. Donc pour l'instant, on reste en stand-by en attente ils sont... des services. L'administration qui nous ramène des tenues propres, parce que sinon ça peut le faire. 10-4. Et puis nous, hier, quand on est venu renforcer, on a pas demandé. C'est clair. Nickel. Ils auraient pu prévenir quand même qu'ils attendaient. Bah oui, ça aurait été bien qu'on nous dise quoi. Bah ouais, clairement. Ouais, Rémi ? Ouais. Ouais, excuse-moi de te déranger deux minutes, je veux juste. Soucis. C'est pour peaufiner mon article pour éviter de dire de la merde. Ouais, dis-moi. On est d'accord que l'échange s'est fait au niveau du Human Lab. Bah je pense, moi j'étais planqué, mais oui, je pense. Oui, c'est ouais, ça. Ok. De toute façon, ils étaient encore. Tu mets au niveau du labo. Ouais, ok. Moi, je sais pas environ où, mais je sais que c'était à ce niveau-là. Ok, super. Merci. Voilà. Désolé de te déranger, du coup. De rien. Mais il n'y a pas que toi qui est convoqué, j'ai vu. Il y a Monsieur Bourman aussi qui est convoqué. Ah ouais ? Ouais, j'ai vu ça. Oh, trop bien, j'ai peut-être pouvoir le parler. Ouais, alors vas-y. Ah yes ! Rémi, c'est toi qui me dis. J'ai peut-être pouvoir lui parler, ouais. Super. Faut qu'on aille où ? On descend. Prenez l'ascenseur à gauche. On prend pas le véhicule. Attends, je te pose. Non, on va lui abandonner ici. Ah, pas fonctionnel, faut prendre des escaliers. Celui d'en face. Faut descendre de tout, c'est ça ? Voilà. Allô ? Ouais, tu disais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, je sais plus. Non, je sais plus. Mais du coup, ouais, je vois là, il y a une dépanneuse devant le. Il y a un plateau là, devant le comité. Donc il doit être là déjà, je pense. Ouais, je pense. Bah vas-y, tu verras. Ouais, bah là, j'y suis, mais je vois personne. Vas-y, je te laisse. Vas-y. Bisous. C'est vrai, Stéphane, ou tu veux que je te porte pour descendre ? Oh, ça va le faire, je vais tirer de la patte, mais ça va le faire. Attends, il y a le junior. Ah, voilà, c'est bon. On fait un 10, on retourne comme il court. 10-9. Hein. Ouais. C'est pas ici, c'est bon. La SPD est présente. Bon, et puis ici, ils sont pas contents de leur tenue, tant pis pour eux. Voilà, nous hier, on est venu avec notre tenue dégueulasse et voilà, on a pas. Ah ouais, on était 4, il y en a pas un qui avait la même tenue, c'est on s'est démerdé. Clairement. Ce qui compte, c'est que tu sois là, quoi. Comme ça, on fait retour. J'ai pas compris, mais avec leur tenue, hier ils avaient des bonnes tenues. Bah, je sais pas ce qu'ils ont là. Aujourd'hui, on a juste fait l'inventaire avec un agent du LSPD, du BCSO, c'est tout. Oh. Bizarre. J'ai trouvé une porte qui va dehors. Ouais, nickel. On va pas faire le tour. Ouais, bah, moi on est ici. Attendez, je vais chercher un véhicule. Ouais. BCSO pour LSPD, vous avez quel type de tenue ? On sache. Répétez. Vous avez quel type de tenue du coup ? J'en ai réellement idée, je sais pas. Là, ce qui paraît, les tenues ont changé pour vous et pour nous aussi, mais je sais pas ce qu'on a. Bah pour nous, ils sont très bien. C'est des nouvelles tenues shérif. Vous, je pense, avez des nouvelles tenues à l'SPD. Hein. Bah le problème, c'est que les tenues, je crois que ils ont sûrement une nouvelle tenue toute belle, toute propre, mais je pense qu'ils ont pas mise, tu vois. Ah ok. Et le problème c'est que s'il y en a pas, bah, je peux pas prendre mon service. Je comprends pas mais d'accord. Bah voilà. En fait tu sais tu prends ton service en enfuyant ta tenue. Ouais mais... Et je pense qu'il y a plus de tenue. Ah ok. Par contre j'ai un gros doute sur le fait qu'on arrive. J'ai moins de la moitié du prix. Parce que tout à l'heure je suis venu faire une vérification, notre vestiaire, tous les cadenas étaient bloqués. Du coup on a été les débloquer avec une pince. Peut-être que c'est le même problème. Non. Y'a pas vite ce véhicule, Jean. Et c'est ce que j'allais dire, j'ai peut-être pas pris plus rapide. Grave. Au pire, on a le droit d'en confisquer un. Ouais, il faut que je rattrape un. Ouais, ou au pire, tu ferais un rattrape. Y'en a un qui me double. Je regarde derrière si tu veux, comme ça. Je te dis quoi. Bon, ouais, du coup, j'aurais même pas fait ma sieste, bon, c'est pas grave. A chaque fois, on pense que ça va être tranquille. C'est ça. Vous avez vu les tenues d'intervention qu'on a. Ouais, mais faut que j'aille voir le. Je sais pas quoi là, j'ai les sauvetages ou ce qu'on m'a dit. Ah, j'ai le sauvetage, c'est pour les bateaux. Ouais, bah, mais faut des bateaux, mais ouais. Mais non, mais même si un jour quelqu'un allait chercher et qu'on descend en rappel, tu sais, avec l'hélico. Ah, ça fait pour. Bah, en fait, ça nous évitera de prendre des risques et de couler avec un pare-balles, quoi. Ah oui. Ouais, c'est vrai, c'est un peu mieux. Ça fait pas parachute des fois au cas où aussi. Ça pourrait être pas mal, hein. Ouais. Pour les gens qui sautent d'hélico. Bah ouais, on sait jamais, un petit risque. Si nous tirons dessus en hélico, toujours une petite chance de sauter. Ok, on a l'autorisation. De quoi ?
Regardez sur le site du BCSO. On a autorisation arme lourde. Par le shérif. Donc moi je vais aller ranger mon pompe. Ok, et le junior arme de poing. Ok. De toute façon, ce qui va se passer, c'est que je pense que moi je vais rester au standard ce soir. Des fois qu'on vienne chez nous, mais sans je vais courir avec une balle dans la jambe. Ouais, et puis tu peux même pas conduire. Ouais. Vous avez vu la dernière phrase, attention à vous, et travaillez de pair avec le SPD. Faut déjà qu'il travaille. C'est ça. Ouais, on voit jamais. Par contre, c'est dommage qu'on ait pas de pharmacien dans le Nord. Ah ouais, ça faudrait demander au gouvernement. Ouais. Parce que là, tu vois, avec ce que j'ai pris, bah, t'aurais pas besoin de médicaments, ouais, quand même. Ah bah, là, j'en ai besoin énormément. Bah ouais. Mais ouais, et puis les autres, ils prennent pas leur service, je sais pas, je comprends pas. Y'a pas. Y'a pas un qui doit revenir là bientôt? Y'en a pas un. Il est pas dans les. Il a pas de place. Ouais, ouais. Vu qu'on nous a tous envoyés. Sans pouvoir emmener l'affaire autre fois, je pense qu'ils vont le garder comme nous. Hein. Ouais, c'est ça. Mais avant qu'on est parti. Comment? Ah bah oui. Oui, nous on connaît. L'intervention là, il était au BCSO, il était à l'accueil du BCSO. Ah oui, d'accord. Mais de toute façon, tant qu'il n'y a pas de shérif, ouais. On peut rien faire pour c'est lui. Ça. Et le shérif, je crois, il est pas là ce soir. Bah si, justement, a priori, ils ont vu. Le shérif? Non, pas le shérif. 22. Ah, 22, ouais, ouais. Bah, 22, il a été recruté lui, non? Non, c'est 22. Oui, mais 22, il est à côté de toi. Ouais, 22. C'est, ouais. C'est le collègue qui devait venir ce soir qui n'avait pas son matos. Ouais, 57. Ouais, 57. Ouais. Okay. Si, il était bien, bah, on voyait souvent. Lui. Ouais, 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 clairement. De toute façon, les autres, Bito et Anko là, Andok, je sais plus comment ils appellent. Ando. Je pense qu'Ando, il le mec qu'on a jamais vu, mais ouais. Ando a été sorti, oui, de l'effectif. Ok, bah il manque plus que Bito. Parce que Bito, il apparemment, il est réserviste, à ce que j'ai compris. Ah ouais, bah clairement, c'est un réserviste. Réserviste qu'on a jamais vu pour moi. Voilà, c'est un réserviste. Et il a pas de grade. Pas avant.